au niveau des biceps, pour la bonne et simple raison que désormais les gymnastes tentent des saltos entre les barres et à la réception, eh bien, ce sont les biceps, surtout l'intérieur des biceps, qui risquent d'être brûlés par le frottement avec la barre. Application dans les fêtes dans quelques secondes. Magnésie, indispensable pour avoir une meilleure adhérence. Cela se fait notamment en haltérophilie et au saut à la perche. Meilleure adhérence au niveau de la prise de main. Oui, car il travaille beaucoup en dessous. Maintenant, on va voir des grands tours soleil, un petit peu comme à la barre fixe, et ils ont besoin de tenir cette barre le mieux possible. Alors regardez comment on règle avec minutie l'écartement des barres parallèles. Il fait fonction du gabarit de l'athlète, et chaque athlète a besoin, juste avant le passage à l'exercice, d'ajuster au millimètre près l'écartement des barres parallèles. Et souvent aussi la hauteur, c'est mais c'est assez rare la hauteur. Rare. Il faudrait vraiment avoir un gymnaste. Alors Chabaïev, c'est un... Attention Michel, c'est un garçon que vous aimez bien parce qu'il produit toujours une impression assez forte à cet exercice. C'est parti. Coupé écart, monter jusqu'à l'équilibre. Valse. Salto au-dessus, beaucoup d'amplitude. Double arrière dans les barres. Et voilà, la réception parfaite entre voilà, grand sous les biceps. Autour du bras en descendant, que l'on appelle le heli, avec suivi d'une valse sautée. Et un autre double arrière dans les barres. Ça, c'est complet. Hein. Toujours enchaîné avec un temps de ventre, puis une valse. Demi-tour. Et double carpé. Ah, dommage, la finition. Dommage. Et ça fait sourire le public italien, mais la médaille d'or s'envole. D'une part, ça, c'est sûr, hein. Et c'est fou, avoir fait le plus dur, et voilà, sur ce petit pas arrière, c'est terrible.